Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Let's Play sur la chaîne. On continue la découverte de la licence Resident Evil et nouvel épisode, un épisode que je ne connais absolument pas, le code Veronica X, qui est une version un petit peu améliorée de code Veronica. Et normalement, on va pouvoir jouer avec les textures HD, peut-être même avec le 60 FPS, mais ça, c'est pas sûr. Et c'est la version PS2 sur laquelle on joue, parce que bah, j'ai joué avec une PS2, donc j'ai un peu plus l'habitude des contrôles PS2. Donc on va découvrir ce jeu ensemble. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à le connaître ou pas. Et puis bah, on va se lancer tout de suite avec une nouvelle partie. Ah, il se concentre. La voix cette fois-ci se contente de dire Resident Evil. Il ne dit pas code Veronica. Bon, bah, tant pis. Et je vais vous laisser avec la cinématique. Non, avec du texte. C'est doublé, donc je vous laisse lire. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Donc une aventure qui va nous remettre au contrôle de Claire, et ça c'est cool, moi j'aimais bien Claire. 3 months later. Identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
Avec Amriké, je pourrais mieux y voir. Donc les cinématiques, elles restent dans la qualité native. Ça va être le jeu hein, qui va être un petit peu boosté. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Manuel du jeu. On lira après. This prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Bon, on a toujours un petit peu la maniabilité camion. Ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce manuel guide du jeu. Lorsque vous trouvez un objet, pensez à utiliser la commande examiner de l'écran de statut. Il peut parfois être utile d'examiner un objet sous tous les angles en le faisant tourner. D'accord? Poussez les objets, placez-vous face à un objet, appuyez sur le haut de la croix. Ok, bon, ça c'est classique. Utilisez le Tommy Tour, pouvez-vous retourner instantanément en appuyant sur le bouton annuler et le bas de la croix. Ouais, ok, je vois c'est quoi le bouton pour attaquer un ennemi puis vous enfuir rapidement avant qu'il ne riposte. Ok, lorsque vous êtes perdu ou à court d'idées, regardez la carte, vous verrez. Petit bug. Vous verrez facilement les endroits que vous n'avez pas visités et les portes que vous avez ouvertes. Ok. Vous pouvez escalader certains objets. Et l'objet que vous stockez dans le coffre du détecteur de métaux de la prison ne sont pas accessibles depuis les autres coffres du jeu. Pensez à reprendre les objets importés. Ok. Soit. Ok, donc ça c'est les différents documents qu'on peut récupérer. Très bien. Balle de pistolet. Bon, bien sûr que je prends. Bien sûr que je prends. Alors, il a acheté cette petite boîte de médicaments hémostatiques. Elle est vide. Il y a le tuyau. Alors, on se déplace comme ça. Très important, comment je cours. Comme ça, ok, j'ai trouvé comment on court. Une liste de prisonniers, mon nom est à la fin, hein, WKD 4496, Claire Redfield. Le nom de l'escorte est en bas du document, médecin d'Umbrella, Paris, 3e unité de sécurité, Rodrigo Juan Raval. Et du coup, on peut te parler ou... Ses yeux sont fermés, il saigne, il faudrait un médicament hémostatique. D'accord, donc j'imagine que notre objectif va peut-être être de le soigner ou même déjà de savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Prendre couteau de combat, oui. Alors, j'ai récupéré des balles, mais je ne vois pas de pistolet qui va avec. Ça serait quand même mieux de l'avoir. Bon, on est toujours sur le système des rubans creurs. Donc on peut sauvegarder là, mais on va peut-être pas sauvegarder tout de suite, on n'en a qu'un seul.
des balles de pistolet. Alors, le briquet, c'est bien. Hein. Voilà. Hein. Le couteau, c'est mieux. Non, je peux pas interagir avec ce qui est par terre. Ok, donc c'est une structure assez à l'ancienne encore. Il faut appuyer pour prendre les escaliers. Vas-y, t'arrives, Claire. Normalement, vous l'entendez, il y a un bruit de battement de cœur. Ok, ça, c'est pour se retourner vite. Effectivement, ça a l'air d'être bien le bordel. Un camion qui est au travers de... Claire, t'as déjà vu des zombies, hein. Tu sors de Resident Evil 2, hein, on rappelle. C'est un peu beaucoup, non? Ils sont gentils. Du coup, il y a une mallette qui est tombée, mais elle est dans le feu, donc je doute qu'on puisse la récupérer. On va essayer de continuer. T'es vraiment mort, toi? Ouais, il a l'air vraiment mort. J'ai pas regardé la carte, c'est vrai. Il faut regarder la carte, savoir où on va. Ce qu'on fait dans la vie. Bon, plutôt propre ce filtre HD. J'espère que ça rend bien après sur le rendu. Carte. Alors. Ok, donc on a les points de sauvegarde indiqués par un petit losange rose. Et là, on a une porte sur la gauche qui est fermée.
Don't shoot! Who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Les bruits extérieurs sont un petit peu forts, hein. Je vais baisser ça. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Hmm. Nice. I'll remember that. Tire-lui dans la jambe. There's an airport around here. And once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Mais quel enfoiré. Ça y est, je le déteste. Alors, on a pris le pistolet. Très bien. On va associer, peut-être qu'on peut le recharger. Voilà, exactement. Et il est équipé. Son qui est en stéréo, mais... Ouais, je peux pas changer ça par contre. Du coup, je viens de là. Est-ce que ça s'est ouvert? Elle a été barricadée, impossible de l'ouvrir. D'accord. Donc ça, c'est la porte qui est fermée. C'est la porte centrale de la prison, elle est fermée. Un faucon est gravé dans la cavité. Donc on va devoir trouver une clé faucon ou un truc comme ça. Oh, joli petit... petit changement de caméra, on n'a pas l'habitude. Ok, j'ai l'impression qu'il y a grand chose ici pour nous. On a récupéré le plus important, le pistolet. Ah, je vois une plante. Est-ce qu'il y a une... Oui, triangle. Du coup... Je sais pas si la flèche veut dire que c'est à sens unique. Alors, c'est peut-être barricadé, c'est ça? La cadenas ferme la porte. Donc, soit on va trouver la clé, soit on peut. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Je peux passer? Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que des zombies peuvent passer par contre. Bon, petit freeze. Hein, classique à combiner avec de l'herbe rouge pour une meilleure efficacité. Ici, donc ça c'est la porte du bâtiment exact. Mais est-ce que sur ce baril par exemple il n'y aurait pas des petites munitions? Des matériaux abandonnés sont assez ici, rien de bien utile. Ok, toi tu fais semblant. Ah. Bon. Alors, il fait peut-être pas semblant. Mais ça annonce rien de bon. Donc là, on pourrait ressortir par là. Quand même aller dans la maison. Le cadenas, c'est peut-être un raccourci. Mais peut-être que quelque chose de coriace.
nous attend là-dedans. Ouais, c'est un peu lent à se tourner. Beaucoup trop de munitions. Ils sont coriaces. Ouais, cette démarche. De la nourriture à moitié consommée traîne partout. Ici, balle de pistolet, oui, bon, c'est pratiquement remboursé, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu me dis dans la maison? Ces toilettes sont pleines de taches répugnantes, une horrible odeur flotte dans l'air. Très bien, on va s'en aller. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien de bien utile. Hein, j'ai l'impression qu'on a une petite carte. Ah bah oui, tu prends la carte, évidemment. Carte de la prison. Ah, parfait. Ok, donc on voit des choses par ici. Des endroits où on va pouvoir aller. Ok, une zone relativement petite. Pas mal de pièces quand même, mais ça reste relativement petit ici. Il y avait un zombie. Il y a surtout une autre herbe. Donc on va aller la récupérer. Deux herbes vertes, hein, je rappelle, ça fonctionne. Mais c'est un peu moins efficace. Voyons voir ce qu'on trouve derrière cette porte. Ici, journal du prisonnier. 13 mai. Cette pièce pue la mort. D'après ce que je sais, cette île doit se trouver bien au sud de l'équateur. Encore heureux que Bob, mon compagnon d'infortune, ait de la conversation. 16 mai. Bob m'a raconté comment il est arrivé ici, une histoire de fou. Il bossait dans ce complexe et son patron, un certain Alfred, l'a foutu en geôle parce qu'il aurait commis une faute professionnelle. Mais que se passe-t-il ici et qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ? 20 mai, un groupe de gardes armés est arrivé sans prévenir et a emmené Bob dans le bâtiment qui est derrière la guillotine. Cette nuit, j'essaierai de sortir discrètement pour voir ce qui se passe là-bas. Il y en a qui disent que ceux qui partent là-bas ne reviennent jamais, sans compter ces grands sacs plastiques qui sortent avec Dieu sait quoi dedans. Pauvre Bob, je ne donne pas cher de sa peau. 21 mai, j'ai eu tort, je n'aurais jamais dû y aller. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? J'ai entendu des rires terrifiants et les hurlements de Bob. Je ne sais pas quoi faire, ces bruits résonnent dans ma tête et me rendent fou. Je vais y passer moi aussi, je peux pas les laisser, je ne peux pas. 27 mai, depuis la dernière fois, tous mes compagnons ont été emmenés dans ce bâtiment. La prochaine fois, ce sera mon tour. Visiblement, nous n'étions là que pour servir de cobaye à Alfred et ses sbires. Est-ce que Alfred serait pas plutôt Albert Wesker? Attends, un petit peu... Il va manger. Évidemment. Oh, tu as des choses intéressantes toi par contre. Ah, je me fais prendre dans tous les coins.
skipper ça. Choper, évidemment. Ok. Attends, il a lâché des choses, lui. Calico M100P. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Bon, on a perdu nos soins, mais on a gagné quelque chose. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux faire. Intéressant, ça prend de la place, mais ça va être utile dès qu'on aura des créatures un peu plus solides. Ok, rien ici. On va vérifier par là, rien non plus. Donc hein, c'est de l'émulation en cloud, donc vous aurez un petit peu des fois des quelques petits artefacts de compression. Parce que malheureusement mon PC n'est pas branché à la box. Mais tu sors de où toi? Bon, de toute façon, on a fini ici, on peut se barrer. Est-ce que la carte indiquait... Non, elle indiquait pas notre lieu de sauvegarde. On va croiser les doigts. Oh, ça sent le chien. Elle court pas vite, hein, Claire. Mais ça sent plus le chien que le liqueur là. Vous êtes nombreux là. Ok, donc là on a des zombies d'air gris, mais a priori ça a l'air de tenir. Faut mourir. Merci. Charge à chaque fois, mais c'est plus rapide que l'animation. Et là, on est sur des zones beaucoup trop petites pour essayer de louvoyer entre les ennemis. C'est un détecteur en métaux, ça. Témoin d'état du détecteur de métaux. Le détecteur n'est pas en alerte. Ça pue. Ça pue, je vais le passer, ça va attirer tout le monde. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ok. Donc c'est ça qu'il va falloir penser à récupérer après. Écoute, on va vraiment vider toutes les poches. Mais je peux pas la récupérer. Des zombies derrière la vitre.
Comment je fais pour récupérer mon stuff, moi? Un spray. Oui. Document, oui. Mode d'emploi duplicateur 3D. Manuel d'utilisation du duplicateur 3D. Notre nouveau produit, le duplicateur 3D, est composé de deux éléments. Le scanner 3D, cet élément vous permet de scanner des objets en 3 dimensions. Il vous suffit de placer l'objet à scanner dans le compartiment prévu à cet effet, l'objet sera alors modélisé en 3D, puis les données seront envoyées au duplicateur laser. Le duplicateur laser. Placez le matériau qui servira de base à votre réplique sous la tête de gravure et lancez la gravure laser des données modélisées par le scanner 3D. La haute précision de la tête de gravure laser vous assure une fidélité absolue entre l'objet original et sa copie. D'accord. Donc il va falloir qu'on trouve des choses pour pouvoir créer une copie. Ça me donne déjà des grenades. Alors après, avoir des grenades c'est bien, mais j'ai plus d'armes donc. Grenade fumigène. Oh, je suis un CRS. De vieux outils sont rangés ici. Je vais avancer par là, mais. Fax demande d'accès au complexe. Vérifiez les informations contenues dans le formulaire de demande d'accès ci-joint. Ajoutez le nom du visiteur sur la liste des visiteurs attendus. Paul Steiner, responsable sécurité, centre carcéral. Formulaire de demande d'accès au complexe pénitentiaire zone D. Nom du visiteur, Karl Krischmann. Objet de la visite, livraison des produits suivants. 1. Échantillon promotionnel du nouveau produit de Metal Industries Company, le TG01. 2. Divers matériels commandés par les services de la prison. Note, un véhicule utilisé, camionnette de transport. 2. Le TG01 sera stocké dans une valise blindée. D'accord, c'est ça qui est dans la valise qu'on a vue. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Il est surtout très chiant. Qu'on se le dise. Oh. Emblème du faucon, oui. Du coup, il va falloir peut-être graver l'emblème du faucon. Oui. Ah, 3 rubans. Bien. Tac. Qu'est-ce qui est traficoté là? Système de déverrouillage du rideau métallique. Est-ce que... Attends, il y avait un truc là, non? Non.
Non, c'était les crayons que je voyais. Est-ce que du coup ça... Please deposit any metallic items you have in the security box. Ouais, non, ça ne transfère pas de l'un à l'autre. Ok. On est à 37 minutes. Peut-être qu'on devrait sauvegarder ici. Et du coup, après, ça va être trop long. Donc, je pense... Ouais, allez, on va sauvegarder ici. Oui. Oui, formate la carte mémoire. Sinon on utilisera une save date. Mais du coup que aux machines. Mais normalement ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode de Resident Evil Code Veronica. Code Veronica X même, pour être plus précis. Et puis bah, on va découvrir un petit peu ce jeu. Pour l'instant, on retrouve un petit peu la patte Resident Evil, évidemment. Et puis bon, bah, on va découvrir un petit peu quelle est l'intrigue, quels sont nos objectifs, ce genre de choses. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée à tous, et on se retrouve demain pour le deuxième épisode. Voilà, je vais essayer de faire, comme d'habitude, hein, des épisodes autour de la quarantaine de minutes, 45 minutes. Mais là, bon, en l'occurrence, on avait une petite machine à écrire qui était juste là et qu'on pouvait utiliser. Je vois sur la carte qu'on a débloqué, du coup, l'endroit un peu au-dessus. Est-ce qu'on ferait du backtracking, on irait vérifier? Ou est-ce qu'on continue par la porte? Je ne sais pas. De toute façon, on sera amené à revenir ici, forcément, puisqu'on a l'emblème. Voilà, qui nous permet d'ouvrir tout en haut. Je déciderai la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je le redis, désolé, je me répète, c'est la vieillesse. Portez-vous bien et à la prochaine.